Avoir des unités robotisées à l'horizon 2040 en s'appuyant sur des systèmes déjà utilisés ou en cours de développement, l'objectif du projet Vulcain de l'armée de terre présenté lors de la journée robotique à Satori, des systèmes automatisés au cœur de la collaboration entre l'armée de terre et les industriels de la défense. Si on veut vraiment progresser, faire progresser la France, côté industriel, côté business, et nos armées, je parle pour l'armée de terre, il est important qu'on coopère, qu'on mette tout en synergie pour demain avoir la supériorité opérationnelle sur nos éventuels ennemis. L'armée de terre, elle n'a pas la capacité de production des matériels et on n'a pas forcément non plus toute la matière grise pour réfléchir à les équipements qu'il nous faut pour la conflictualité des années 2040. Voilà, donc il faut des bureaux d'études, les bureaux d'études, ils sont chez les industriels. Pour cette journée, 17 entreprises ont pu présenter leur technologie robotique et système autonome. C'est le cas de Shark Robotics. Cette PME basée à La Rochelle développe ses deux robots avec des fonctions différentes. On se développe actuellement sur le secteur défense et sécurité également, avec le robot Barracuda, que vous pouvez voir ici, qui est une mule multimission pour le support des forces armées en OPEX. Autre solution présentée lors de cet événement avec ce drone, renseignement, reconnaissance et identification, les usages de ce système relié à une station au sol, une technologie développée par Thales sur le site d'Elancourt. Donc ce système de drone, c'est un système avec une station sol, une liaison de données et trois vecteurs aériens comme celui-ci qui permettent d'observer, de renseigner, de désigner tout au long des opérations des forces armées de terre. Sur le drone, vous pouvez retrouver un des éléments les plus importants qui est la boule optronique, qui est une boule gyrostabilisée avec une voie jour, électro-optique voie jour haute définition, une caméra infrarouge pour voir de nuit et aussi un désignateur laser qui permet de désigner. Pour expérimenter les systèmes, une section robotique sera créée à l'été 2021 au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine à Sissonne, dans le département de l'Aisne.